Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Eli. Je dis à c'est 2 juillet. Nous dans cœur mois de juillet. En fait, nous commençons à mois de juillet. Mais l'important pour comprendre ça, ça veut dire. Il veut dire pour en pile state, gagner de nouvelles lois qui entrent en application à partir du mois de juillet. Ça. À la vérité, presque toutes state, les lois qui ont été votées, changements qui ont fait, c'est à partir du mois de juillet. Ça. Qui entre en application. Donc, l'état important, ou même, quel que soit côté où on vit, pour chercher qu'on ait qui nouvelle loi, puisque d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas affecté. Pas de renouveler souliers pour vous-même qui n'a pas marché à chaussettes, et vous-même qui n'a pas gagné papier, eh bien, vous commencez, ou capable de commencer à faire ça dans les driver license, les effectifs. Ok? On a parlé de undocumented. Moun ki pa gen papier, OK? Yo kapab fè driver license yo. Depuis hier samedi a ki se et 1er juillet. Bon, on baga ou pa jwenn jwenn nan Florida. La vérité ça pour comprendre que yo moun ki pa gen papier, lan di ki pa gen rien, on pa pala ou même ki gen asile, ki gen pending asile, ou même ki gen ti pièce ou ka ou ka travay. Mais ou même ki pa gen rien du tout nan men. On ka comprendre nous, des fois on di a, pa gen personne moun nan l'autre state yo ki an pral fè vivre. Gon les cas privés tout sous pas grand nan mon qui on pral faire vivre dans Florida tout quelque part parce que yo bloqué de tout côté d'ailleurs ça vous comprendre journée jodi a et y a parlant de Florida nouveau loi qui grand pour immigration et fait immédiat c'est que effectivement gagne des compagnies qui te compte prendre mon illégal qui pas prend gagne cap toujours prend gagne pas prendre aidé mais gon bonne compagnie qui pas prend c'est ça vous comprendre gon bonne compagnie qui pas prend dans moment et gagne des monde qui immigrant qui dit pas grand le choix. C'est vrai que vous comprenez la difficulté, le fait que vous habituez avec Florida, vous avez contact avec Florida, mais il faut que vous êtes en côté que vous êtes capable de vivre. Ok? So, oui, pour nous retourner en Florida, c'est vrai que nous surtout parler de. Loi qui a un rapport avec l'immigration, ça nous les SB 1718 là. Mais ce n'est pas lui seulement. D'abord, nous capables de parler de par le fait que n'importe qui, je vous dis, de manière légale, est capable de gagner des armes sans qu'on pas suivi aucun entraînement, sans qu'on pas gagner aucun besoin aucun permis pour porter des armes. By the way, et pour les gens qui t'a voulu porter des armes dans le contexte, ça même t'a conseillé de chercher un permis quand bien même. Font training n'est pour la bon, pas carrément les armes sans training. Vous connaissez même les fous, pas carrément une photo, ok? Et ça vous connaît tout pour même qui t'as les gains armes dans le contexte ça tout. C'est que il y a une limite les tout. Gain des côtés où pour aller, pas carrément les armes dans ce, ok? Donc faut accrocher chez qu'on limite armes sans permis en tout. Et en fait, là n'a pas les fruits de pas bien gain l'autre state, nous allons parler de l'autre state et tout. En fait, vous avez un peu d'accord. Tant que vous avez dit que vous n'avez pas parlé de orientation sexuelle, gender identity, même dans la cause de l'école. Donc, ça veut dire, lors vous et petit ou l'école a fait, vous n'avez pas parlé de gender identity, orientation sexuelle. Ça n'a pas fait de. Don't say gay. Lors, qui c'est H1069, lors ça. Puisque nous-mêmes, nous avons toujours cru, par rapport ici, là, l'école là pour enseigner, ça la science dit, instruction. C'est instruction. OK? Instruction, c'est pas des valeurs. OK? Maintenant, moi, sûr et certain, bon, quelque part, il y a une limite. Il faut être prudent. Le fait, même parce que c'est l'âge, il faut commencer à parler d'orientation sexuelle. Là. Parce que, imaginons, on ou gon ti moun ki nan 16 17 ans, ou comprenn? Faut al commencer konnen parce que li va rencontrer avec la société. OK? Parce que yo retire le net dans tout yo de manière entière yo retire dans classe. Faut al konnen. Pour dire ki ça dans le fait que pour le courant que effectivement kayen des groupes moun nan société a qui choisi et en relation avec moun ki gen même cette pareil, li pa ka ignorer. Moi me pense que la famille, si on bagaille pour nous faire, c'est formation de sa nouvelle la tolérance. La tolérance dans le sens que nous tous pas obligés de bagaille au même genre, nous pas obligés de même goût. C'est société à diverses.
C'est pour bien il faut avoir une capacité ça. OK? Là c'est pour qu'on a parlé d'orientation sexuelle mais on a parlé de religion tout. C'est dit nous tous pas comme baptistes, nous tous pas catholiques. Donc a une diversité de religions et donc même j'ai en tout cas pas une diversité dans ça que manger pour que d'accord que c'est ça, gain certaines différences. Mais c'est que c'est ça que n'a bien pour transmettre timonio parce que il appelé à vivre en société, on va travailler la caille simplement. Même les familles ont des valeurs, ont des normes mais il va dans famille là, il appelé pour travailler avec société, il pour interagir. Il y a bien pour interagir avec des gays et des lesbiennes. C'est ça lié. OK. Et gon bagay pronom tout, bon il y a un rapport avec don't say gay ben non. Bah on est pronom au lieu de les mon him ou bien her. Donc il dit et il fait qu'on il a interdit et staff dans l'école yo pour demander ti moun yo sou qui pronom vous voulez. Est-ce que vous voulez him? Est-ce que vous voulez haircut? Vous comprenez? So, ou même pas, pour ça, pas demander on élève, est-ce que vous avez pour aider le hair ou bien him? Sexuel, ou pas que vous posez une question ça. Ok? Ou pas que vous posez une question ça. Et, bafoum tout, là, nous tous dans Florida, son crime la pied, t'as chargé. Pour un monde qui a utilisé un bafoum qui a été fait pour sexe opposé, t'as chargé. Florida pas dans tête non sous sous un garçon ou à l'entrée ou un garçon et l'heure du garçon hein, c'est que il parle de sexe qui a été fait à la naissance et ça Florida dit bah ça avait lui mais en plus monsieur dame pas dans problème ou Florida là comment ça veut dire ça veut dire avec bon un garçon ou et ou tu avais à l'entrée dans bafoum femme pas un bail comme ça pas un bail comme ça dégager dans bafoum garçon yo. So gen yon pipi, même yon avec garçon. Et chargé. So, mais pas m'dou que gen communauté LGBTA, gen des moun ki renommé qui a quitté Florida. Par exemple, nous sommes petit basketteur là, qui en relè encore. Dwayne, nous connaissons un petit garçon qui vient là, il a quitté Florida peut-être ça parce que et petit yon là, et petit yon là, qui dit qu'il s'est fil, pas qu'à l'entrer dans. Non, bafoum fi, non? Est-ce que vous comprenez? So, gen vraiment vrai, peut-être ça qui a pas obligé de quitter Florida, parce que vous comprenez, vous n'avez pas de café. Vous comprenez? So, vous n'avez pas de café. Donc, il est clair que pour Florida, et communauté LGBTA, justement, il a perdu un ensemble de droits, ok? Et maintenant, il y a une bagarre que moi d'accord, c'est surtout Sandarele, gagner des sujets ou dit ou pas qu'à faire avec Timon là dans que toi OK OK ou pas qu'à gagner des bagages ou pour qu'à tant qu'on parler de menstruation gagner monsieur man jusqu'à six, après 6 grade doit pas parler de menstruation avec Timon maintenant il y a un bagage peut-être qui problématique c'est causé gagner des séries de livres. Et Florida pas d'accord pour l'idée pour parler de livres qui te montrent côté blanc ou t'as fait noir parce que misère. Même dans l'université, tout soit parler de intégration différentes races dans société ou bien dans groupe, dans communauté, dans entreprise. Yo pas veut pas parler de sujet ça. Là c'est communiste pur, soit marcher saisir livre. Dernièrement, t'as regardé pile livre dans bibliothèque qui a saisi. OK, ça c'est pour Florida, mais pas oublier que Joan Zulia et quel que soit côté que on vit, ça n'a pas important. Cherchez qu'on est et ensemble de lois qui gagne parce que ça n'a pas dit là et il y a des changements un peu partout OK et Gemari Gwana non Marilyn Livini il y a du 21e state il gagne plus toujours gagne près de 24 gagne presque 24 states là qui légalisé ça dans le cannabis OK. Donc, ce petit bagage pas où, et au fur et à mesure, la vie légale, ça est important pour beaucoup en tout, même dans la communauté haïtienne. Calcul est fait, et si vous avez marché, mettez les gens qui ont pris un petit paille, et dans la prison, vous mettez, il faut manger tout le bagage. Donc, depuis que vous n'avez pas volé à faire les gens, vous avez vague, vous quittez, vous fumez, vous légalisez. Et puis, c'est pour plaisir, vous n'avez pas un mec, vous légalisez. Donc, c'est ça, vous comprenez là. Et presque moitié
dans un état pas bon ici à légaliser ça nous t'arrêler et causer prendre pareil prendre petit marijuana où il commence à légaliser trop monde à prendre il met trop monde en prison. C'est logique ça qui vient là. Gagner tout pas oublier en parlant de Floride avant et gagner loi tout qu'il y a avec avortement tout qui pas qui des changements qui fait en ce sens. Et Georgia on parlait de interdiction de TikTok. Tu sais TikTok ban en Georgia en bad comme ça. Gon l'autre c'est encore qui ban TikTok. Et déjà j'ai mal connais ça nom de connait pour l'autre state et TikTok pas le faire pour ça avec mon ça. T'es chargé. Oh non, TikTok retire li sous state on device. Ban TikTok on state on device. T'es chargé. Et Georgia interdit TikTok. Bon, le gars, ça fait deuxième state qui interdit TikTok. En tout cas, ça n'a pas demandé pour tout le monde. Et quel que soit state ou fait, RTA, à regarder pour connaître qui changement qui gagne. À partir du mois de juillet, il est vraiment important pour au courant de ça. Puisque, Floride, il y a 200 nouveaux lois. Chaque state fait changement par eux. Il est important pour au courant de ça. C'était un plaisir. Bye bye tout le monde.